really think you should be. Oh, salut à tous, c'est White et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play épisode 1 de Pokémon Soul Silver. Alors avant que ce Let's Play commence, je voulais vous remercier pour les 70 abonnés. Donc il y a deux jours on était 62, j'ai gagné 8 abonnés en deux jours. C'est vraiment pas mal, donc continuez comme ça les gars. N'hésitez pas à mettre un max de likes surtout. Ce premier épisode de Let's Play, ça montrera que vous aimez ça, ou sinon mettez un dislike si vous aimez pas, parce que ça sert à rien que je continue ce Let's Play si vous n'aimez pas, et dites-le moi dans les commentaires aussi. Alors on va commencer tout de suite. Donc, ah wait, tu es enfin levé. Ton amie Célesta vient de passer. Elle jouait à chat avec son mari. Au fait, le professeur Orm te cherchait. Je crois qu'il voulait te demander de lui rendre un service. Son laboratoire est juste à côté. Tu devrais le trouver tout de suite. À propos, avant de sortir, tu es sûr de n'avoir rien oublié? Range ce dont tu as besoin dans ce sac. Voici ta carte de dresseur. Voici le cahier sur lequel noter ta progression. Et enfin, quelque chose de très utile. Essaye de toucher les icônes, tu comprendras tout de suite. Wesh, salope. C'est donc ça, le célèbre laboratoire du professeur Orm. Tu veux quoi? Me regarde pas comme ça, connard. Eh, sale fils de hinge. Wait, je t'attendais. Est-ce que tu sais ce que j'étudie? De nos jours, c'est normal de se promener avec son... de promener ses Pokémon dans des Pokéballs. Mais avant qu'elles ne soient inventées, les gens marchaient avec leurs Pokémon. À leur côté. Oui, comme ton ami Célesta. Bien sûr, l'avantage des Pokéballs, c'est que c'est beaucoup plus pratique. Mais je pense qu'il y a aussi de bons côtés à marcher avec son Pokémon. Peut-être en rapport avec leur développement ou leur évolution. Et justement, je vais te donner un Pokémon pour que tu te promènes avec lui. J'aimerais en savoir davantage sur les relations spéciales qui peuvent se nouer entre humains et Pokémon. Choisis ton Pokémon parmi ceux-ci. Oh, j'ai reçu un email. Oui, je vois. Écoute voir, j'ai un ami du nom de Monsieur Pokémon. C'est un vieil ami qui crie à la grande découverte dès qu'il voit un truc qui sort de l'ordinaire. Il vient de m'envoyer un email disant que cette fois, c'est pour de vrai. Je pense que c'est encore un œuf de Pokémon. Hélas, j'ai vraiment trop de travail. Ah, je sais. Tu pourrais y aller à ma place, non? Si, hein? Dis oui. Choisis le Pokémon que tu préfères dans cette machine. Oh mon Dieu, une machine. Moi, je vais prendre Kaiminus. Parce que dans mes trois aventures, c'est celui qui m'a le plus réussi. Oui, je choisis de prendre Kaiminus pour époux. Oui, te reçoit Kaiminus de la part du professeur Orm. Oui, tout à fait. Voulez-vous donner un surnom au Kaiminus obtenu? Non. Alors, c'est agréable de se promener avec son Pokémon comme ça, non? Continue comme ça jusqu'à la maison de Monsieur Pokémon. Si ton Pokémon se fait mal, soigne-le dans cette machine. Elle est très facile à utiliser. Tu n'as qu'à examiner le PC posé sur mon bureau. Monsieur Pokémon se promène un peu partout et ramène toujours quelques bizarreries.
Il habite un peu au nord de la ville. Il habite un peu au nord de la ville Griotte. De ville Griotte. Je te fais confiance. Wait. Wait. Tu as reçu un Caïminus? C'est bien. C'est un super Pokémon. Si je promène avec toi comme ça, il va t'aimer de plus en plus. Promène-toi parfois pour lui parler. Pour lui parler. Ah! Tu dois le montrer à ta mère aussi. À plus tard. Putain, et bien sûr, il va falloir que je retourne encore chez ma mère. Voilà quoi, c'est pas long, je trouve. Ah, wait. Quel joli Pokémon tu as avec toi. Le professeur Horn te l'a donné? Et alors, que t'a-t-il demandé? Oh, ça a l'air compliqué. Mais il te fait confiance. Il ne faut pas le décevoir. Ah, j'allais oublier. On a reçu le Pokématos que j'avais envoyé à réparer. Tiens. Ouais, il reçoit son Pokématos. Le matériel Pokémon. Le matériel à Pokémon abrégé en Pokématos. Les dresseurs sérieux en ont un. Et ça sert aussi à téléphoner. Tu te souviens comment ça marche? Oui. Il te suffit d'allumer et toucher l'icône d'un téléphone. C'est bon, ça, je sais comment ça marche. Ah, mais c'est parce que j'ai mis non à la place de. Non, je suis Pokémon. Je connais le Pokématos, salope. C'est bon, parce que voilà. Ah. Eh oh! Figure-toi que j'ai failli oublier de te donner mon numéro de téléphone. Oui, t'as enregistré le professeur Orme dans son Pokématos. Très bien. Allez, et téléphone-moi s'il y a un problème. T'inquiète pas. Regarde. Bah non. Alors, il me semble que c'est par là. Et par là. Oh mon Dieu, un Pokémon sauvage apparaît. C'est le premier combat de l'aventure, les gars. Une fouinette sauvage apparaît. Très bien. Caïminus, go! Que doit faire Caïminus? Il va attaquer. Il va attaquer avec cette attaque-là. Caïminus utilise griffe. Ah ouais, c'est pas super super, hein. Attaquer. Hop, griffe. Fouinette sauvage utilise clairvoyance. Identifie Caïminus. Que doit faire Caïminus? Griffe. Hop. Fouinette sauvage et KO. Jamais j'aurais cru. Caïminus a gagné 24 points d'XP. Super. Il grignote. Ah, le vieux qui va me donner des chaussures de course. Toi, tu débutes, non? Ça se voit. Mais c'est pas grave. Tout le monde est un débutant, un jour ou l'autre. Ne crains rien. Je vais t'apprendre deux ou trois trucs. Suis-moi. Ah, je n'avais pas vu. Tu n'as pas de chaussures de sport? Je vais essayer de marcher moins vite. Alors, essaie de me suivre. C'est un centre Pokémon. Confie-leur tes Pokémon blessés. Ils les soigneront et en un rien de temps. Tu en auras grand besoin dans le futur, alors souviens-toi de leur existence. C'est une boutique Pokémon. On y vend plein de choses utiles, notamment des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Par là, c'est la route 30. Les dresseurs s'y affrontent avec leurs Pokémon favoris. Et un peu plus loin, il y a la maison de Monsieur Pokémon.
C'est là où je dois aller. Comme tu le vois, là, c'est la mer. Ah bon. Certains Pokémon se trouvent uniquement dans l'eau. Non, sérieux? Et là, c'est chez moi. Bravo, tu m'as suivi partout. Pour la peine, je t'offre mes chaussures de sport. Elles ont encore ma chaleur et mon odeur de transpiration. Je plaisante. Tiens, ne crains rien, elles sont neuves. Oui, il te reçoit des chaussures de sport. Sur le mode d'emploi, il est marqué, vous pouvez courir en touchant l'icône course sur l'écran tactile. Et aussi, c'est aussi possible en gardant le bouton B enfoncé. Ah. J'ai pu te rattraper. Ah oui, ah. J'oubliais que j'avais autre chose à t'offrir. Tiens. Il glisse un coupon carte dans votre Pokématos. Vous pouvez maintenant consulter la carte depuis votre Pokématos. Oh putain. Choisis le Pokématos sur l'écran tactile, puis la carte, et tu pourras voir où tu te trouves dans la région. Tu peux installer de nouvelles fonctions sur ton Pokématos grâce à ces coupons pour le rendre encore plus utile. Allez, bonne chance! Oh mon Dieu, un cocon fort! Cocon fort sauvage apparaît. Kaiminus, go! Alors, que doit faire Kaiminus? Kaiminus va utiliser griffes. Saloperie. Allez, Kaiminus, utilise griffes! Saloperie. Cocon fort sauvage utilise armure. Ah, défense du cocon fort sauvage augmentée. Oh mon Dieu. Kaiminus utilise gros yeux. Allez, ah, défense du cocon fort sauvage baisse. Ça ne servait pas à grand-chose. Allez, moi je vais remettre un petit coup de griffe là. Allez, dans ta mère là. Quoi? Merde! Je me suis trompé. Je m'y suis trompé. Hop, voilà. Voilà, voilà. Hop. Putain, ça fait déjà 20 minutes que j'enregistre. Vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé à la maison de Monsieur Pokémon. Voilà, comme ça, Kaiminus utilise griffes. On le finit, on arrive à la maison de Monsieur Pokémon et on arrête d'enregistrer. Alors, il y aura un épisode tous les 2 jours. Donc voilà. Hein. Défense du coup, confort augmente. Tu vois, je te mets un coup de griffe, moi, tu vas. Blah! Oui, bon, ça va. On trouve pas tous des balades drôles tout le temps. Hein. En plus, j'ai bafouillé. Je fais tu vas. Allez, crève. Mais crève, putain. Saloperie. Pourquoi il ne crève pas? Putain. Mais crève! Allez, voilà, tu crèves, connard, tu crèves. Voilà, enfin. Ouais, 40 points d'XP. Oh, j'ai passé un niveau. Je suis niveau 6 maintenant. Apprends, pistolet à eau. Alors attendez, je crois que c'est celle-ci. Bon, voilà les gars, on est arrivé devant la maison de Monsieur Pokémon. Alors, aujourd'hui, on est dimanche quand cette vidéo sortira. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Allez, à plus les gars.